Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à grinder? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, le fait de grinder une rep, c'est tout simplement le fait de passer longtemps à faire ta rep. Donc, c'est-à-dire que tu vas tirer, au bout d'un moment, la barre va vraiment ralentir parce que c'est extrêmement lourd. Et donc, tu vas tirer jusqu'à enfin arriver à verrouiller, par exemple, dans le cas du deadlift, où en gros, une rep peut te prendre 3, 4, 5, 6, 10, 15 secondes pour certains. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Déjà, je pense que oui, tout le monde peut grinder, mais ce n'est pas forcément une fin en soi. Il y a même certaines personnes qui, à mon avis, ont absolument rien à gagner au fait de grinder. Par exemple, si t'es une personne qui au bout de 3 secondes de grind a énormément de mal à garder l'attention et qui commence à faire des dingueries de partout pour vite finir la rep, à mon avis, le grind n'est pas fait pour toi. Après, c'est pas du tout quelque chose qui est dramatique, on s'en fout complètement. L'objectif de la force, c'est de soulever un maximum de poids, pas de soulever un maximum de poids en grindant. Donc que tu grindes ou pas, ça va rien changer à ta vie. Maintenant, évidemment, plus tu te rapproches de ton max, plus la vitesse va ralentir, mais quoi qu'il arrive, il y a des athlètes qui arrivent quand même à rester extrêmement explosifs, même proche de leur max. Et non, c'est pas parce qu'ils forcent pas, c'est simplement que leur corps est pas conçu pour aller lentement sur ce mouvement, ils ont pas cette capacité de grind. Si je te donne mon exemple, au sumo deadlift, je suis quelqu'un de très explosif en partant du sol, mais une fois que j'arrive au-dessus de mes genoux, là je ralentis considérablement parce que j'atteins ce qu'on appelle le sticking point, donc c'est-à-dire le point où tu as énormément de mal. Quoi qu'il arrive, je sais que si je rate un sumo deadlift, je vais le rater à cet endroit-là. Je sais que je vais jamais rater un sumo deadlift en partant du sol parce que c'est pas mon point faible et je vais être extrêmement explosif en sortant du sol, même si c'est mon max. À l'inverse, au bench par exemple, je suis pas quelqu'un de très explosif arrivé en bas du mouvement et donc mes reps ont davantage cet aspect de grind. Il faut comprendre aussi que cette capacité à grind, elle dépend complètement des mouvements. Donc c'est-à-dire je peux être quelqu'un qui grind pas du tout sur le deadlift et quelqu'un qui grind largement sur le bench. Ça veut absolument rien dire, c'est pas par rapport à l'individu forcément, mais c'est également par rapport au mouvement que tu vas utiliser. Maintenant la question à se poser c'est est-ce qu'on peut être meilleur si on apprend à grind? Et à mon avis, oui. De mon point de vue, si tu apprends à grind, tu comptes plus uniquement sur l'explosivité, mais également sur ton endurance jusqu'à la fin du mouvement. Donc autrement dit, ta capacité à grinder. Ça veut dire que si la barre ralentit, tu vas pas systématiquement rater ta rep et tu as quand même un gros pourcentage de chances de réussir ta barre. Petite pause pour te rappeler que si tu es intéressé pour augmenter ton SBD, je propose du coaching personnalisé. Chaque semaine, je t'envoie une nouvelle proc qui est calibrée en fonction de la semaine précédente et de tes performances et de tes ressentis. Si tu veux en savoir plus, je te mets les détails dans la description et je te laisse prendre contact avec moi. Mais comment apprendre à grinder? Je vais d'abord t'expliquer comment être explosif parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus important et ensuite, on verra comment grinder. La première chose à comprendre, c'est que pour être explosif, il faut avoir une intention de vitesse. Faut pas seulement que tu fasses tes mouvements, faut que tu aies pour objectif de faire bouger les barres le plus vite possible. Et ça paraît juste être un petit détail, tu te dis que c'est juste une question d'état d'esprit, ça va rien changer. Mais je t'assure que si tu as vraiment pour objectif pas juste de lever la barre et de faire voler la barre au plafond à chaque rep, je peux t'assurer que tu vas prendre en force puisque forcément dans l'équation de la force, il y a la vitesse. Je l'ai pas précisé, mais évidemment cette intention de vitesse, tu veux pas uniquement l'avoir sur tes séries de travail, mais tu veux également l'avoir sur tes séries d'échauffement, tes top sets, etc. Une autre astuce que tu peux utiliser, c'est les bandes élastiques. Les bandes élastique, c'est littéralement un cheat code pour travailler ton explosivité, étant donné que si tu n'es pas explosif, tu ne monteras pas la barre, c'est aussi simple que ça. L'avantage des bandes, c'est que ça va pas seulement te limiter à la gravité, mais ça va carrément te tirer vers le bas, et donc tu vas devoir être plus rapide que la gravité, entre guillemets. Comme promis, on va voir comment apprendre à grind de plusieurs façons. La première façon pour apprendre à grind, ça va être exactement la même que pour être explosif, à savoir les bandes. Donc là, tu te dis probablement, le mec qui me parle de grind, d'explosivité, comme quoi c'est la même chose, j'ai complètement fou votre pote. En fait, pour comprendre pourquoi est-ce que les bandes peuvent t'aider à être plus explosif et à grind, comprendre le principe des bandes. Les bandes, initialement, donc par exemple dans le cas d'un développé couché, tu vas dérac, tu vas avoir un maximum de tension, tu vas amener la barre à tes pecs et c'est là où les bandes auront le moins de tension parce que forcément elles vont tendre le moins et plus tu vas pousser, plus tu vas avoir de tension. Ce que ça veut dire, c'est que forcément, du moment où tu es à tes pecs jusqu'à plus ou moins 3/4 de la rep, la barre elle va voler et ça va t'apprendre réellement à être explosif parce que tu auras un petit peu moins de poids mais en même temps tu vas rajouter du poids au fur et à mesure grâce à la bande. Mais une fois que tu arrives vers la fin du mouvement, c'est vraiment à ce moment-là que les bandes vont s'étirer au maximum et là où tu auras un maximum de tension et c'est vraiment à ce moment là que ça peut largement t'aider pour apprendre à grind. La seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention quand tu travailles avec des bandes, c'est de les setup correctement. Donc c'est à dire si tu les mets trop en avant ou en arrière, elles peuvent complètement te dévier de ta trajectoire et donc renforcer une technique avec une trajectoire non optimisée. Maintenant il y a aussi un gros aspect mental sur le grind, c'est à dire que si tu as jamais grind, tu vas pas du tout te sentir capable de grind. Si à ton prochain max tu t'interdis littéralement de lâcher la barbe et dans le pire des cas tu vas t'arrêter et ensuite tu vas redescendre, mais au moins tu vas pas directement t'écrouler parce que t'as plus ta vitesse. Moi-même j'étais convaincu de pas du tout être capable de faire des grinds et au final au bout de quelques changements techniques et quelques essais plus tard j'arrive à claquer des grinds de 4-5 secondes. Évidemment je suis pas encore au niveau de Pana mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et à partir du moment où t'arrives à grinder en maintenant une bonne position, en gardant la tension et en restant dans la trajectoire, à mon avis il n'y a aucune raison pour laquelle ton mouvement devrait mal se passer. J'insiste vraiment sur la position parce que ça arrive de voir des gens notamment deadlift qui tirent carrément de façon
façon trop explosive, qui arrivent et qui verrouillent le mouvement. Et une fois qu'ils verrouillent, ils arrivent et ils ont carrément un élan vers le bas, et donc ça invalide leur barre. Je pense que ça, c'est vraiment un problème d'ancrage dans le sol, et ils n'arrivent pas à maintenir une bonne position, une bonne tension du début à la fin. De mon point de vue, si tu tires vraiment l'intégralité de ton poids de corps vers l'arrière, que tu mets bien ton poids sur les talons, même si tu tires ultra explosif, je vois pas comment la barre peut redescendre. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à lâcher un like et dis-moi en commentaire si t'es dans la team grind ou team no grind. Regarde cette vidéo pour savoir quel poids peser pour mieux performer en force.